Borderland 4, Borderland 3, épisode 4. Hein, le Santé mort, Borderland 3, épisode 4. Let's go. Ta 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 ta. Légendaire là. Des munitions. Sans ça, t'es juste un glandu avec un presse-papier. Elle est moins bien que celle que j'ai équipée. Ça se fait. Niveau 18, 168 score d'objets. Les dégâts sont moins importants et le rayon est moins important. Les grenades longbow se téléportent à destination. Je garde les miennes alors. Je vais la tester quand même. Quelqu'un du ciel.
Elle est morte. Maya est morte. On pleurera quand on sera à l'abri. Viens avec moi. Retourner sur Sanctuary. Par ici, ma fille. Admirez ma nouvelle configuration. Désolé pour tout ça. T'aurais rien pu faire. Merci d'avoir ramené Ava en un seul morceau. Lilith, vous devriez faire un discours. Bon, d'accord, je me dévoue. J'ai bien connu Maya de son vivant. Je la préférais vivante. Vous voyez ce que je veux dire. Mais elle est morte, et c'est la vie. Tout ce qu'on peut faire, c'est se battre pour honorer sa mémoire du mieux qu'on pourra. Les guerres font des morts, par milliers. Je veux dire, il suffit d'ouvrir les yeux. Ne me demandez pas de parler à votre enterrement, Lilith. Oh, comptez sur moi, Danis. Vous pouvez. Je sais ce que je suis. Une scientifique brillante et froide. Et vous savez ce que vous êtes. Parce que tout le monde sur ce vaisseau attend que vous disiez quelque chose. Et tant que vous vous tairez, ils ne pourront pas reprendre leur travail pour empêcher ce débris flottant de dériver dans l'espace. Maya était plus qu'un pillard écarlate ou un chasseur de l'Arche. C'était ma famille. Mais on ne doit pas perdre de vue notre mission. On va ouvrir ces arches. C'est la seule façon de donner du sens à sa mort. Et maintenant, tout le monde à son poste. Ouvrir ces arches ? C'est tout ce que tu trouves à dire ? Maya est morte parce que tu voulais ouvrir les arches. On devrait être en train de traquer les Calypso pour leur faire payer ce qu'ils ont fait. C'est pas aussi simple. Maya disait toujours qu'un chasseur de l'arche court vers le danger. Elle arrêtait pas de parler de toi. T'as sauvé Pandore, t'as tué le beau Jack, t'es censé être le faucon ardent. Je ne sais pas ce que je suis. Eh ben réfléchis, Lilith, avant que quelqu'un d'autre y laisse la peau. Va voir si elle va bien, d'accord? Moi, je vais nous préparer à rejoindre Eden 6. Oh, c'est toi. J'ai pas grand-chose à dire, tu sais. C'est la guerre, les gens meurent. C'est l'ordre des choses. Mais ne crains pas la faucheuse.
C'est l'ami qui t'accueille à la fin de ta chasse. Merci. Rien t'obligeait à venir me parler, mais... je suis contente que tu l'aies fait. Tiens, c'était à elle. Je suis sûre qu'elle voudrait que ça te revienne. Ils doivent être en train de se préparer à rejoindre Eden 6. Tu devrais y aller. Je crois que j'ai besoin d'être un peu seule, là. Chasseur de l'Arche. Bien, te voilà. On doit mettre le cap sur Eden 6. Pas une seconde à perdre. Lilith, on reçoit une transmission. Quoi encore? Salut les... Désolé, on a fait un beau chouinerie. Tiens, ça me remontera peut-être le moral. Personne qui compte pour des pourritures pareilles. Et c'est bien ça qui les rend extrêmement dangereux. D'après Tanis, l'Arche de Prométhée était reliée à celle d'Eden 6. Si les Calypso veulent mettre la main sur cette Arche, ces monstres vont devoir nous passer sur le corps. Et heureusement, on a un ami sur la planète. Claptrap, mets-nous en... Il drop une arme légendaire, mais... je la vois pas. Ah si, elle est là. Quatrième arme. Cloud Kill. Contact avec Hammerlock. Sir Hammerlock, avec plaisir. Je parie qu'il sera ravi d'entendre toutes mes nouvelles aventures. Ah ouais. Wainwright Jacobs à votre service. Pas l'air de rigoler cette arme. Que ces fanatiques de descendants ont emmené Hammerlock et tu pourras pas croire qu'ils viennent me chercher. Un pas de plus et je vous truque de plomb. Je tatouerai le sou familial sur vos fessiers de l'âge. Bon, les descendants de l'Arche sont déjà sur Eden 6. Toi, va retrouver Wainwright Jacobs et essaie de voir ce qui se passe là-bas. Thank you.
C'est bien pratique. Chasseur de l'Arche, j'aurais aimé vous offrir un accueil sur Eden 6 plus digne des Jacobs. Mais ces diables de DDA sont partout. Nous nous sommes réfugiés dans le chalet familial avec quelques survivants. Les vivres se font rares et nous sommes encerclés. J'ai besoin de votre aide. Quelle bande de fanatiques! La société Jacobs a survécu 300 ans, mais ces horribles DDA se sont répandus dans toute la galaxie comme un fléau. Et tout ça sous les ordres de ces rats vulgaires de Calypso. Ils ont assassiné mon père parce qu'il refusait de leur donner notre arche. Et maintenant, ils s'en prennent à moi. On était là, Coupe et moi, à bosser tranquillement à la série Jacobs, quand ces tarés de DDA se sont pointés comme sortis de nulle part, en racontant qu'ils cherchaient l'arche des Jacobs. Et là, ils se mettent à nous traiter d'hérétiques ou je sais pas quoi, et à massacrer tout le monde. C'est de la folie, de la pure folie. N'ayez crainte, braves citoyens. Il est grand temps de chasser ce Gorflap et tous les petits bras des DDA qui s'opposeront à moi. Content de l'entendre. Je suis sûr que Wainwright Jacobs vous récompensera si vous nous aidez. C'est la ville de Reliance, tout ce qu'il en reste. On y trouve nos meilleurs armuriers, ainsi que nos exploitations forestières. Dieu merci, mon père n'est plus là pour l'avoir tombé entre les mains de ses bandits. Qu'elle s'en soit plein. Larguez-moi, hérétique!
je ne sais pas combien de temps on aurait encore pu repousser ces fanatiques. Béni soit l'étranger. Wainwright Jacob. Chasseur de l'Arche, vous m'avez sauvé la vie. Je vous suis reconnaissant. On va parler. Je suis Wainwright Jacobs, mais j'ai bien peur qu'il ne me reste plus que ce nom. Ces démons m'ont pris tout le reste. Chauveman. Chauveman, bordel. Servez-vous dans mon arsenal. J'ai récupéré ce que je pouvais dans la collection de mon père, mais ça lui servira plus. Ces horribles Calypso l'ont assassiné et m'ont tout pris. Et sans votre intervention, je l'aurais suivi dans la tombe. Je m'en suis sorti, mais ils ont capturé mon partenaire de vie, Alistair Hammerlock. Ces démons ne le libéreront que si j'accepte de leur donner la clé de l'Arche. C'est aussi pour ça que vous êtes là, j'imagine. En effet. Cette Arche est dans ma famille depuis des générations. Nous ne voulions pas voir notre paradis saccagé, comme ce qui est arrivé sur Prométhée et sur Pandore. La présence d'une arche entraîne toujours la guerre. Mais pour l'instant, j'ai des problèmes plus pressants que mon héritage familial. Alistair Hammerlock, l'amour de ma vie. Si jamais il le tue, j'aurais tout perdu. Si mon père était encore en vie, il me dirait d'aller à la rencontre de ces démons et de négocier du bout du canon d'un fusil Jacobs. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Cette secte a enfermé Alistair dans une prison appelée l'Enclume. J'ai déjà envoyé une équipe de mercenaires pour le libérer, mais je n'ai plus de nouvelles depuis. Sauvez Alistair, et je vous donnerai la clé de l'Arche. D'accord? Oh, comptez sur moi. C'est comme si c'était fait. Parfait. L'homme fort de l'équipe, nom de code Mastok, doit être en train de sécuriser un passage pour leur fuite. Il sera près de la porte de la prison. Trouvez-le et ramenez Alistair en vie. Je vais tenir la baraque et protéger ce qu'il reste de mes équipes. Bonne chance. Je ne m'en fais pas trop pour la survie de ce Mastok. Il tient plus de la montagne que de l'homme. En plus énervé. Mais il a du mal à maintenir son attention. Surtout quand il peut distribuer des coups de poing. Distrayez-les.
M6 faisait partie du système Paradis. Après Prométhée, je suis venu ici chasser une arche embauchée par Montgomery Jacobs en personne. Je me suis dit que ça me ferait du bien de changer d'air. Qui a jamais rêvé d'un petit coin de paradis? Ah, j'ai troqué des égouts pour un contre des marécages. Eden 6 est tout sauf un paradis, vous pouvez me croire. Par ici, ma fille. Ici le docteur Z. Je vends des boucliers, des modes et la sérénité. Et des coups de cervelle, si jamais vous en voulez. Tu reviendras. Mon équipe ne répond toujours pas. Il a dû se passer quelque chose. Tenez votre peau, portez la marque. Cette porte, chasseur de l'arche. Une blague. Génial! Un autre chasseur de l'arche! C'est mieux en mieux ce boulot! Aide-moi à massacrer des bandits, ensuite, on causera!
vie s'échapper. Fuyez, fuyez, être misérable. Cadeau, portable. Un indice. Détruisez-le. Je propose un petit duel. C'est bien, ma fille. C'est parti! Une bataille avec toi! Attends, ma fille! Qui est maintenant? S'arrête ici. C'est parti. Il pourrait... Hop là, Noël. Mastoc, je présume. Ouais. Content de te voir. Ça a un peu dégénéré. J'attendais le signal de notre experte en démolition, mais un truc a foiré. Sûrement la faute aux fanatiques ou aux descendants. Appelle-les comme tu veux. Moi, je m'en fous de leur nom. Tant que je peux leur cogner sur la tronche. Bien fort! Faut que je te fasse rejoindre notre démolisseuse, Ti... Bah, pardon, j'oubliais les noms de code. Lapinou Déglingo a besoin d'aide. Suis-moi! M'appelle le portier. Et Mastoc aussi.
On m'appelle plein de choses. C'est par là. Je vais le calmer. Remercier en cogner des titres, c'est mon travail et ma passion. J'espère qu'Amerlock va bien. Une embuscade! On va se les faire ensemble, petite tête! D'autres amis à toi à tuer? Génial! Ce gros débile a l'air fichu! Oh non, on s'en dégarde! Hérétique! Je protège la famille! Ah! Barricade!
quartier d'Hammerlock en visuel, mais les descendants foncent vers moi. Une seconde, l'homme piaf. Je vais t'aider. Belle technique. D'habitude, je me bats plutôt tout seul, mais on forme un super duo. Faut que j'aille aider mon sniper. Toi, va retrouver la pinou des glingos. Vous prévenir. La pinou des glingos est un petit prodige des explosifs, mais comment dirais-je, elle est complètement ravagée. Ah ouais, elle est ravagée, bordel. Ah mais putain. C'est vrai que c'était un boss. Et maintenant, cache-toi. Les balles vont pas se tirer toutes seules. Vous savez, j'ai déjà trouvé un truc comme ça dans un patient. Wainwright m'a dit de sauver Hammerlock. Ok, alors voilà le topo. Hammerlock est dans un quartier sécurisé avec une... très grosse porte qu'on doit exploser, mais... mais c'est un peu parti en sucette, et des bandits m'ont piqué ma boube. Je vais bien, je vais bien. Alors, fais-moi un petit plaisir, et va me chercher des garnitures pour la pizza explosive que je prépare. Je vais pas te mentir, en fait, c'est juste une bombe, c'est une très grosse bombe. Je sais qu'on trouvera les garnitures qu'il me faut ici et... j'ai une petite recette spéciale. Muy picante. Attaque!
l'espoir. Bombe pizza. Comme on dit dans le biz, de la bombe.
sniper à moi, que j'aime appeler Monsieur Zozio. C'est pas ça, mon nom de code. C'est vrai, c'est vrai. C'était quoi, déjà? Boubou Chocodou? Zap l'éclair? Guili Guili le petit Zozio? L'homme piaf? Moineau triste? Crâne de piaf? Une histoire de volatile? C'est juste, Sniper. Allez, je vais pas tenir éternellement. Je suis en chemin vers toi, Guili Guili le petit Zozio. Merci, chasseur de l'arche. À tout de suite. Livrer la pizza.
un chasseur de l'arche. Descendre la cage. Tirez donc sur quelque chose pour faire descendre la cage. Trouvez le point faible de la chaîne pour descendre la cage. Merlock. Mille merci, chasseur de l'arche. Je ne suis pas trop mal en point, étonnamment. Je suis content que Wainwright vous envoie. Quant à ma petite incarcération, je suis au regret de vous annoncer que j'ai été offert à ces satanés jumeaux Calypso en échange de la société Jacobs par une véritable harpie. J'ai nommé ma propre sœur, Aurelia Hammerlock. Quant à savoir pourquoi elle m'a vendu à la secte, eh bien, très simplement, elle me méprise depuis l'enfance. Il n'y a pas de lien plus fort que ceux de la famille, et quand ces liens se brisent, la douleur est incommensurable. La famille, ce n'est pas le sang, mais ceux avec qui l'on chasse. Pour moi, ce sont mes créatures. En effet. Je vais me reposer ici un instant et je vous retrouverai au chalet. Maintenant que je suis en sécurité, j'imagine que Wainwright s'apprête à tout mettre en œuvre pour reprendre la société de sa famille. Mission terminée. Oh, Wainwright, je sens que ma dernière heure est venue. Moi, qui m'imaginais finir broyé dans la mâchoire d'un monstre baveux ou brûlé vif dans la lave d'un tombeau en...
enfoui. Ou peut-être gelé sur place en chassant un cryptide dans la toundra. Chasseur de l'Arche, je suis la baronne Aurelia Hammerlock, directrice de la société Jacobs. On m'a signalé que vous aviez sauvé mon frère. Quelle déception! C'est une affaire familiale qui ne vous regarde en rien. Cela étant, les chasseurs de l'Arche sont des prostituées, et je vous paierai donc pour quitter ma planète. Venez au manoir Jacobs, négociez votre prix. Oh, et quand vous verrez Alistair, dites-lui que je suis riche. Le manoir Jacobs. Pour mieux renaître dans la chasse.
Je t'entends, créature. Que je dois la vie. Tu me manques, maman. Ah, tu sais vraiment pas marchander. Peu importe ce que c'est, vends-le-moi et je trouverai un acheteur. Il faut de la pommade! Vite! Passez une journée de dingue! Marre de payer pour réapparaître. T'as des ennemis, et moi j'ai des munitions. C'est bien pratique. La terreur qui a sauvé Alistair en chair et en os. C'est à vous que je dois la vie. Chasseur de l'Arche, quel magnifique exploit! Vous avez réussi! Je ne sais pas comment vous remercier. Chasseur de l'Arche, ma sœur a pris contact avec vous, je crois. Oui, Aurélia a proposé de me payer pour que je quitte Eden 6. L'horrible harpie! Si Aurélia vous tend la main, c'est forcément pour mieux vous poignarder de l'autre. Si vous mettez un pied dans ce manoir, elle essaiera de vous tuer. Raison de plus pour y aller. Chasseur de l'Arche, vous nous avez bien aidé en libérant Alistair des griffes de ces fanatiques. Et un Jacobs n'a qu'une parole. Je vous donnerai la clé de l'Arche. Mais d'abord, nous allons pénétrer ensemble dans l'antre de cette harpie. La clé est dans ma famille depuis des générations. Mais son emplacement exact est un secret qui a suivi mon père dans la tombe. Acceptez l'invitation d'Aurélia et détournez son attention pendant que je fouille le manoir. Il me faut de la pommade! Vite! Il faut que je sorte d'ici. Eden 6 est vraiment en sale état. Et si vous devez rencontrer ma sœur, je préfère vous prévenir. Aurélia est l'une des créatures les plus riches de toute la galaxie. Mais ne vous laissez pas hypnotiser par les fourrures et les bijoux de prix qu'elle porte. Elle a le cœur d'un bandit. Elle prend ce qu'elle veut. Elle ne croit en rien d'autre qu'elle-même. Si elle avait le charisme de Tyrin ou la fourberie de Troy, elle aurait lancé sa propre secte depuis longtemps. Elle a trouvé sa vraie famille avec les Calypso. Vivement l'action. Eh bien, d'accord. Merci. Juste là.
J'avais donc raison sur votre compte. Je savais que vous viendriez. La loyauté d'un chasseur de l'arche est toujours à vendre. Venez au manoir et je vous donnerai votre argent. Je vous raccompagne pas. Vous savez où c'est la sortie. Des balles et des bombes. Toujours un plaisir, chasseur de l'arche. Arrêtez de mourir bêtement, achetez un meilleur bouclier. Restez en vie grâce à ce machin. Les médecins le détestent. Enfin, les vrais en tout cas. J'ai des balles avec ton nom dessus. J'ai besoin d'aide avec une sorcière. Être absurdement rien de bon. Ah bonjour, moi c'est Merle. Ça se prononce comme ça se vomit. Sorcier du 7e Aleph et pratiquant des arts enflammés. J'ai un petit problème avec une sorcière qui vit dans le marais. Je crois qu'elle a brisé le pacte. Je voudrais que vous alliez l'aider pour des petits trucs, histoire de voir ce qu'elle mijote. Elle s'appelle Azaleh Chico. Complètement cinglée, la pauvre. Je veux que vous alliez vérifier si elle a brisé le pacte qu'on avait ou non. Et je dis bien pacte avec un P majuscule, hein ? Du bon gros truc occulte super lourd. Massacrer les fidèles des Calypso sur votre trajet. Fidèles, serviteurs, ils sont tout aussi dispensables que des chasseurs de l'arche. Repose-toi. Ta chasse est terminée. Je dois dire que j'admire la façon dont les Calypso ont convaincu ces morceaux de viande illettrés de les aduler aveuglément. C'est à vous donner envie de fonder votre propre secte. Et pourquoi pas quand j'en aurai terminé ici ? Belle trouvaille, l'ami. Oui, fais couler le sang.
terrain plutôt étroit. Le domaine des Jacobs a plus d'entrée qu'une fille de joie dans un bordel hentai. Mais il faut aimer être serré. En parlant de fille de joie, pendant que vous vous occupez d'Aurélia, je vais fouiller le cabaret dans l'aile du théâtre. Mon père avait un bureau caché sous la scène. Si je dois trouver un indice sur la clé, ce sera là. J'y suis. Ça me retourne l'estomac de voir cette harpie hanter les couloirs de mes ancêtres. Elle s'est débarrassée des portraits de ma famille comme si c'était de vulgaires immondices. Je donnerai tout ce qu'il me reste pour lui faire tâter un peu de mon fusil. Un jour que je rentrais au manoir, j'entends des tirs et des jurons. Je fais vite le tour, et là, je tombe sur le jeune Wainwright, pistolet à la main, en train de viser des canettes sur une clôture. Bon, je suis pas une gâchette, mais ce gamin tirait comme un pied. Le visage crispé, à se mordre les lèvres, jurer et gémir qu'il sera jamais un Jacobs. Et là, la révélation. Je comprends qu'il y voit d'un œil. Alors je m'appuie. Pile à l'heure, à ce que je vois. Continuez, je vous en prie. Même en vous disant bonjour, cette bonne femme vous colle la chair de poule. Mais faites tout ce qu'elle vous demandera pendant que je fouille le cabaret. Je vous rejoins au plus vite. Attendez-moi dans la salle à manger et nous évoquerons votre dédommagement. Souillon. Quand on se fait trouer la panse, Docteur Z répare les offenses. Si vous attendez que je vous donne une sucette, eh ben allez attendre un peu plus loin. Je me demandais où c'était passé. Oh la vache! Tu devrais voir l'air de débile que tu te payes. Le rapace, comme promis. Bien joué, baronne. Mais il manque encore la clé de l'arche. Je m'y attelle en ce moment même. Bien, je vous laisse vous amuser. Au plaisir de ne pas vous revoir, chasseur de l'arche. Ça, c'est génial. On n'a pas encore vraiment eu l'occasion d'apprendre à se connaître, non? Tyrine parle toujours pour nous deux. C'est comme ça. Ouais, c'est elle le centre de la galaxie pendant que le reste de l'univers gravite autour d'elle. Mais ça va changer. Regarde-moi, putain! Je me suis jamais senti aussi bien. Wouhou! T'as vu ça? T'as vu ça? Ta pote, la sirène, elle avait pas idée de ce qu'elle avait. Avec son pouvoir, je peux aspirer toutes les étoiles du ciel. Tu sais, Tyrine a très envie qu'on te laisse nous courir après. Ouais, comme une petite compétition pour bien attiser les fidèles. Mais moi, je suis pas comme ça. Non, plus maintenant. J'en ai assez qu'on me laisse les miettes. Tiens-toi prêt, sale bois-arien. Hein? Oh. Oh, je vais te tuer! Alors viens me battre avec ta face de rat méprisable! Changement de programme! Fouillez le cabaret! Et moi, je m'occupe de faire courir ce bois-arien comme un jacquemot qui aurait la couronne! Oh!
Bien joué. Ce cadavre était dans un placard. Wainwright, vous connaissez cet homme? Oh, monsieur Baldrin, notre domestique. Il savait où tous les cadavres étaient enterrés. Et voilà qu'il en fait partie. Mon père l'a toujours soupçonné d'enregistrer leur conversation. Essayez de voir s'il n'aurait pas enregistré sa propre mort. Je suis là, ma fille. Je suis là. C'est ta bête à la friteuse. Distrayez-les. Mourir.
déjà mort. Au-dessus de leur cheminée. Font d'Eléon, Lars Volt. Je les semais. Chasseur de l'Arche, le cabaret est un peu plus loin. Continuez! Puisse-t-elle t'offrir de nombreuses victimes? Toutes choses à un prix. T'as de l'argent? Alors pourquoi pas le dépenser? Sirène, connaissez pas? Ouais! Sans mon pouvoir dans mes veines! Thank you.
premier soir ici, Monty et sa femme m'invitent chez eux pour une représentation de l'or des fous. C'est l'histoire d'un roi qui trouve un vieil artefact magique et qui tente de conquérir le monde. À la fin, son royaume disparaît dans les flammes et le roi y laisse sa tête. Bon, Monty cherchait assez clairement à me faire passer un message avec cette pièce. Alors je me suis dit, méfie-toi, Typhon. Tu t'entends bien avec Monty, mais un tigre qui sourit. Le mécanisme d'ouverture est caché dans les réglages de la scène. Cherchez des indices pour savoir quels accessoires sortir. Garder des affiches de ses pièces préférées dans le théâtre. L'une d'entre elles a peut-être un indice. Je sais. Mon père adorait Typhon de Léon et les ruines de l'Arche. Trouvez cette affiche et recréez-la sur la scène. Mon père était un grand fan de Typhon de Léon. Trouvez son affiche et essayez de la recréer. Eh bien, d'accord. Merci. Qu'est-ce que je dois trouver ? Là-dedans. Je ne sais pas vraiment. C'est là que mon père gardait toutes ses archives. Chercher quelque chose qui ressemble à une archive. Et je possède l'unique ligno phonographe de toute la galaxie. Si mon père m'a laissé un message, ça ne peut être que ça. Rapportez-moi ça au chalet, chasseur de l'Arche. Je vous retrouve dans quelques instants.
expliquer. Vous ne représentez rien pour moi. Aussi vous ai-je vendu au Calypso. Mais n'en doutez pas, je trouverai la clé de l'Arche. Parce que je suis riche et que les gens riches obtiennent toujours ce qu'ils veulent. Jouez la discrète, chasseur de l'Arche. Elle pratique quand même la magie noire de façon intensive. Je suis presque au niveau Iridium. Tu m'as trouvé quelque chose ? Tu trouveras pas meilleure balle que celle de Marcus. Ici, on ne juge pas. Tu as mangé ça. T'as de l'argent, alors pourquoi pas le dépenser? Si je peux aider. Yeah.
Regarde, là. Est-ce que tu sens ça? Chasseur de l'Arche, vous avez donc survécu à une conversation avec ma sœur? On oublie cette harpie. Le disque, est-ce que je peux le voir, chasseur de l'Arche? Sayonara! Bonjour! J'ai encore du mal à croire que les Calypso aient assassiné mon père. Je vais ressortir mon vieux phonographe. Mais vous savez comme moi qu'Aurélia va envoyer ses fanatiques à nos trousses. Si on veut rester en vie assez longtemps pour ouvrir l'arche, il va nous falloir une armée. Une authentique résistance Jacobs. Il est temps de reprendre Eden 6, en commençant par la ville de Reliance. J'ai embauché un mercenaire appelé Clay pour nous aider. Il vous attend à l'extérieur de la ville. Mon royaume pour un troufion qui s'occuperait de cette... Pendant mon emprisonnement chez les descendants, j'ai rejoint un gang. Pour la protection, mais aussi la camaraderie. Des gens adorables, des combattants pour la liberté, des criminels sans pitié, et parfois... Les deux, si vous pouviez prendre de leurs nouvelles, je vous en serais très reconnaissant. Ils sont à la prison. C'est bien pratique. Ok. Épisode 4, Terminares.